Alors, je vais écrire ce que je viens de vous mentionner là. Donc, qu'est-ce qu'on vient d'expliquer? On vient de trouver que, je vais répondre à la question B, parce que la question B, il est dit que, est-ce que cette théorie est-elle en accord avec l'expérience et dites pourquoi? Eh bien, en fait, la théorie de Rayleigh Jeans, l'expérience, c'est ça. D'accord? On a dit que, en fait, Rayleigh Jeans, on va dire, il n'est pas en accord avec l'expérience. Donc B, on va dire que cette théorie n'est pas en accord avec l'expérience. Cette théorie n'est pas en accord avec Avec quoi? Avec l'expérience. D'accord? Elle n'est en accord qu'avec. Elle n'est en accord qu'avec les grandes longueurs d'onde. Alors, quand on dit les grandes longueurs d'onde, on veut dire par ça tout simplement l'infrarouge. L'infrarouge. Il faut se méfier parce que quand on dit les courtes longueurs d'onde, plutôt les grandes longueurs d'onde, c'est-à-dire les petites. Les fréquences, elles sont comment en fait? Pour les grandes longueurs d'onde, eh bien les fréquences, ils sont faibles, c'est-à-dire pour les faibles fréquences. Pour les faibles fréquences. En fait, des fois, je dis ça pour vous faire réveiller un peu. Ok. Donc pour les faibles fréquences. Pourquoi elle n'est pas en accord? Eh bien, pour les courtes longueurs d'onde, la densité spectrale U de nu de T, on peut dire aussi lambda de T, elle tend vers plus l'infini. Ce qui est impossible physiquement. Ce qui est impossible physiquement, en fait. Et bien sûr, en désaccord avec l'expérience. En désaccord avec l'expérience. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on va dire? Explique ce que l'on entend par catastrophe ultraviolette. C'est simple. Qu'on va expliquer ce qu'on entend dire par catastrophe ultraviolette. Alors, en fait, on a eh bien U de lambda T de Rayleigh Jeans, eh bien, elle tend vers plus l'infini pour les courte longueur d'onde, c'est-à-dire pour les grandes quoi, les grandes fréquences, donc
pour l'ultraviolet. Donc, soulignez bien cet ultraviolet, on va dire, et c'est ce qu'on entend dire, et c'est... En fait, c'est une catastrophe. Imaginez une énergie infinie. C'est impossible d'avoir une énergie infinie. Comme ça, bon, si vous avez une énergie infinie, on n'aura pas de problème énergétique. Et c'est ce que l'on entend en entendre, et c'est ce que l'on entend par catastrophe. Ah, catastrophe ultraviolette. Voilà.